Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne pour un nouveau tuto de danse en ligne, un grand classique, le Madison. C'est parti! Alors la danse en ligne du Madison se compose de 2-8. 2-8, ça veut dire qu'on va compter de 1 à 8 deux fois. C'est une chorégraphie très simple, accessible à tout le monde, même pour ceux qui n'ont jamais dansé. On va voir la version simple au début et ensuite on va la compliquer un peu en mettant une petite variante. C'est parti pour voir les pas. Pour notre premier 8, on va mettre le poids du corps sur chaque jambe qu'on déplace. On part de la jambe droite, on va faire 3 pas vers la droite. Attention, dès le premier pas, j'ouvre mes épaules, je fais un quart de tour à droite sur le 1 pour avancer ici, 1. Attention de ne pas partir jambes parallèles. Il faut ouvrir vers la droite, ça fait 1. Toujours des petits pas, les bras on a dit sont toujours plus hauts que le niveau de la taille pour donner plus de style dans les mouvements et bien sûr pour avoir l'équilibre. Donc le premier temps, 2, 3, on marche. 2, c'est la jambe gauche. 2, bien le poids du corps sur la jambe gauche. 3, 3. Et là, sur le 4, on appelle ça, c'est un petit kick. Donc, un petit jeté de la jambe gauche. Donc, ça va faire 4. Attention avec la pointe du pied vers le bas et pas vers le haut. C'est pas 4, c'est 4 vers le bas. Donc, ça fait 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et à partir d'ici, on va partir de l'autre côté, tourner les épaules à gauche, faire 3 pas vers la gauche. 5, 6, 7, on est bien appuyé sur la jambe gauche, et 8, le petit kick. Donc ça fait, au complet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons fini notre premier 8 ici. Là, on va reculer 3 pas en arrière, en revenant face aux barres. Donc ça va faire 1, 2, 3, et là sur le 4, on va pointer 4 de la jambe gauche. Vous tournez les épaules. Dès que vous reculez la jambe droite, donc directement 1, 2, 3, 4. Nous sommes à la moitié du deuxième 8, donc on a pointé la jambe gauche sur le temps 4. Ici, on va poser sur le 5. 5, avancer la jambe droite en faisant un petit pointé sur le 6. 6, et pareil, poser la jambe droite sur le 7. 7, donc ça fait, on est ici à 4, 5, 6, 7, en avançant la jambe droite. Et là, le 8, c'est le moment où on va faire le quart de tour à droite pour changer de direction. L'idée, c'est de venir en appui sur la jambe gauche. Vous allez faire un petit saut et tourner les épaules vers votre droite. Et votre jambe va faire un petit kick en allant vers la droite. 8. Donc, ça fait 7, 8. Donc, si on part du temps 4, ça fait 5, 6, 7, 8. Et à partir de là, on recommence du début. Alors maintenant que vous maîtrisez le pas, on va voir deux variations sur le premier 8. Un tour à droite ou un tour à gauche, ou les deux en même temps. La première variation sur le premier 8, on va faire notre base classique sur le 1, 2, 3. 1, 2, 3, kick. Et là, on va faire un tour à gauche sur le 5, 6, 7. L'idée, ça sera de tourner à gauche. Vous imaginez que vous avez une ligne à votre gauche imaginaire et vous devez évoluer sur cette ligne. Bon, on est ici sur le temps 4. Sur le temps 5, on va tourner les épaules à gauche, faire un quart de tour à gauche. 5, en avançant de la jambe gauche, en faisant des petits pas. Le 6, c'est la jambe droite. Je fais un quart de tour à gauche. 6, le 7, je recule ma jambe gauche. 7, et le 8, c'est le kick. Donc la variation, elle est sur le 5, 6, 7. C'est un tour à gauche sur le 5, 6, 7. On est là sur le 4. Et 5, 6, 7, 8, le kick. Attention de bien lever votre genou avant de partir sur le temps 5. C'est-à-dire, si vous faites ça, vous serez bloqué. On est ici.
5, 6, 7, 8. La deuxième variation, c'est qu'on va tourner sur le 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire qu'on va faire deux tours. Un tour à droite sur le 1, 2, 3, 4, un tour à gauche qu'on sait déjà faire sur le 5, 6, 7. Donc au lieu de commencer en marchant, on va donc tourner les épaules directement vers l'autre droite. Premier temps, 1, jambe droite, 2, quart de tour à droite, on avance la jambe gauche, 2, on croise la jambe droite en pivotant sur la pointe de la jambe gauche, 3, et là 4, le kick. Donc ça fait directement, levez votre genou en faisant des petits pas et toujours en flexion. Ça fait 1, 2, 3, 4, et ensuite le 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, ensuite il n'y a rien qui change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous n'êtes pas obligé de faire la variation, les tours, en même temps. Vous pouvez marcher sur le 1, 2, 3, tourner sur le 5, 6, 7, tourner sur le 1, 2, 3, marcher sur le 5, 6, 7. Ou après, si vous êtes à l'aise, vous pouvez tourner sur le 1, 2, 3 et sur le 5, 6, 7. C'est parti pour le faire en musique. Si vous avez bien aimé la vidéo, merci de liker et bien évidemment de vous abonner sur notre chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. À très bientôt.